faith. Notre message de dimanche. Our message of Sunday. Je suis là ce soir pour continuer avec le même message. I am here tonight to continue with the message. Vive par la foi. Live by faith. Que Dieu nous bénisse. Let God bless you. Notre point numéro 5. Our fifth point. Vive par la foi, acte 2. To live by faith, act 2, part 2. Hébreux chapitre 11. Hebrews 11. Verset 6. Verset 6. Et la Bible dit ceci. And the Bible says this. Or, sans la foi, behold, without faith, il est impossible de lui plaire. It is impossible to please him. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. He that approaches God has to believe he exists. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. And he compenses those that seek for him. Voici donc le problème entre beaucoup d'enfants de Dieu et Dieu. This is the problem between many children of God and God. Le sous-thème de ce point c'est amen, l'enfant de Dieu qui n'a pas la foi éloigne Dieu de lui. The sub-theme of this theme is the child of God that has no faith shifts God away from him. L'enfant de Dieu qui n'a pas Dieu, amen, ou qui n'a pas la foi en Dieu éloigne Dieu de lui. The child of God that does not have faith in God drives God away from him. Il dit, oh, sans la foi, he said, behold, without faith, il est impossible de lui plaire. It is impossible to please him. Celui qui s'approche de Dieu, he that approaches God, doit d'abord croire qu'il existe. Needs to believe first of all that he exists. Mais ça ne suffit pas de croire que Dieu existe. But it's not sufficient only to believe he exists. Il y a pas mal de gens dehors qui croient que Dieu existe. There are many people outside that believe that God exists. Plaise-t-il à Dieu pour autant? Do they please God for that? Je ne crois pas. I do not believe. Je crois qu'en plus de croire que Dieu existe, I believe more than believing that God exists. Il y a encore une autre chose que Dieu demande. There is still one thing God is asking for. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. He said, behold, without faith, it's impossible for you to que please celui God. Qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. He that approaches God has to believe that God exists. Et une deuxième chose importante aux yeux du Seigneur, c'est que cette personne croit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. And the second thing that is important in the eyes of the Lord is that God compensates those that seek for him. En d'autres termes, in other terms, une action à trois phases, an action with three phases, avoir la foi, to have faith, croire que Dieu existe, believe that God exists, et amen, recevoir de lui récompense, and receive from him a compensation. Le problème de beaucoup d'entre nous, the problem of many of us here, nous n'avons pas la foi. We do not have faith. Mais nous suivons un Dieu qui se nourrit de foi. But we follow a God that feeds himself with faith. Nous n'avons pas la foi. We do not have faith. Mais nous suivons un Dieu qui mange la foi. But we follow a God that eats faith. Ce que Dieu cherche dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas sa taille, encore moins ses yeux. What God is looking for in a child of God is not his face or his height. Dieu n'a pas besoin des moyens de quelqu'un. God does not need somebody's means. Ou de quel poste il occupe pour l'aimer. Or what post he occupies to love the person. Pour que Dieu, amen, soit attiré par quelqu'un. For God to be attracted towards somebody. Pauvre ou riche. Whether poor or rich, petit ou grand, little or big, blanc ou noir, white or black, cette personne doit avoir la foi. That person needs to have faith. C'est à partir de la foi que tu l'intéresses. It is from faith that you interest him. Donc tu peux venir à l'église. So you can come to church. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne l'intéresses pas. But if you don't have faith, you don't interest God. Et cette foi se traduit comment? And how is that faith be translated? Tu dois croire qu'il existe. You need to believe that he exists. Mais croire qu'il existe, c'est pas se l'imaginer dans une certaine forme dans le ciel. But believing that he exists is not to imagine him with a certain shape in heaven. Croire que Dieu existe. To believe that God exists. Suppose que tu crois en son omnipotence. Means that you believe in his omnipotence. Omnipotence signifie il peut tout. Omnipotence means that God can do everything. Tu dois refuser de te mettre des barrières dans ce que Dieu est capable de faire. You need to refuse to put barriers in what God can do. Croire que Dieu existe. To believe that God exists. C'est croire en son omnipotence. Is to believe in his omnipotence. Il peut tout. He can do everything. Ce soir-là, s'il veut changer la vie de quelqu'un, il peut. Tonight, if he wants to change somebody's life, he can do it. Demain matin, s'il veut accorder le visa à quelqu'un, il peut. Tomorrow morning, if he wants to give somebody a visa, he can do it. Tu dois croire que Dieu existe à travers son omnipotence. You need to believe that God exists through his omnipotence. Et pour croire en l'omnipotence de Dieu, and to believe in God's omnipotence, il faut que tu exposes les choses qui sont des blocages dans ta vie. You need to expose the things that are blockages in your life. Quelqu'un qui n'accepte pas de voir ses limites, il ne peut pas croire en l'omnipotence de Dieu. Somebody that does not accept to see his own limits cannot believe in God's omnipotence. Parce que l'omnipotence de Dieu va se manifester au travers des choses inaccessibles à la main humaine. Because God's omnipotence will be manifested through things that a human hand cannot assess. La Bible dit, the Bible says, car ce qui est impossible à l'homme, for what is impossible to man, est possible à Dieu. Is possible to God. Donc on commence à croire à l'omnipotence de Dieu.
So we begin to believe in God's omnipotence. Sachez que omnipotent signifie tout puissant. Knowing that omnipotence means almighty. Omnipotent signifie qu'il peut tout. Omnipotence means he can do everything. Donc commencez par croire en l'omnipotence de Dieu. So to begin to believe in God's omnipotence. Et ça va t'amener à regarder ce qui ne va pas dans ta vie. It will make you to look at what is going wrong in your life. Fixez ça du doigt. Fix it with your finger. Et commencez à dire que ça là, Dieu va changer ça dans ma vie. And begin to say that this thing God will change it in my life. Certaines personnes croient plus aux blocages qui sont dans leur famille, aux fétiches de famille qu'à la puissance de Dieu. Some people believe more in the wizardry in their family than God's power. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de fouiller dans le mari de sa camarade. When you see somebody that is searching her colleague's pendant husband. Que tu as la capacité toi-même d'attirer un homme qui va te prendre et puis faire de toi aussi sa femme. While you have the ability to attract another man for him to make you his wife. C'est quoi si ce n'est pas limité la main de Dieu? Is to believe whether you're not limiting mais God's en fait, hand. Ça c'est quoi si ce n'est pas limiter la main de what Dieu? Is that if it's not limiting God's hand? Si tu n'es pas en train de limiter la main de Dieu. If you are not limiting God's hand. Tu dois fixer ton célibat et croire que Dieu va le changer you en need to fix your spiritualship and say God will change it. Crois en l'omnipotence de Dieu. To believe in God's omnipotence. Va t'amener à toucher du doigt. Will make you to pinpoint. Le problème de stérilité. The problem of barrenness. Toucher du doigt. Pinpoint. Le problème de chômage. The problem of joblessness. Toucher du doigt. Pinpoint. Le problème de faiblesse. The problem of weakness. La Bible dit je puis tout. The Bible says I can do all. Par celui qui me fortifie. By he who fortifies me. Est-ce une phrase comme ça? Is it a banal phrase? Où est-ce que cette phrase est en train de traduire la force de Dieu? Oh, that phrase, is it translating God's strength? Le problème d'enfants de Dieu, c'est que nous ne parlons pas foi. The problem of many children of God is that we don't speak faith. Nous avons un langage d'abattement, d'amertume. We have a language of bitterness, of debasement. Un langage de désespoir et de découragement. A language of desperation and discouragement. Combien de fois prenons-nous le temps de parler de l'omnipotence de Dieu? How many times do we take time to speak about God's omnipotence? Combien de fois prenons-nous le temps de confesser que Dieu peut faire ça? How many times can we confess that God can do all things? À combien de fois nous asseyons-nous pour toucher nos problèmes de doigt pour dire Dieu va faire ça? How many times have we pinpointed our problems to say God can change it? Mais nous sommes plus en train de dire que ça là c'est ce qui m'arrive. But we are saying that this one it can happen. Jésus-Christ a demandé à cette femme, madame, ton statut matrimonial là c'est quoi? Jesus asked that woman, your marital status, how is it? Est-ce que tu as un mari? Do you have a husband? Pendant que la femme était en train de réfléchir si elle doit dire concubin ou bien fiancé. While the woman was thinking whether she should say concubine or fiancé. Jésus lui a dit non. Jesus said no. Tu as eu plusieurs hommes dans ta vie. You have had many men in your aucun life. Aucun d'eux n'est ton mari. And none of them is your husband. Même celui qui est là actuellement là. Even the one that is there. Lui n'est pas ton mari he aussi. He is not your husband too. Mais c'est parti sur la base de quoi? But what did it go on? Which la base? Femme n'avait pas la capacité d'appeler quelque chose dans sa vie. The woman did not have the ability to call something into elle her life. Elle en a besoin. She needs it. Mais elle ne sait pas quel nom donner à son besoin. But she does not know what name to give to her need. Beaucoup de gens louent leur, amènent leurs problèmes. Many people rent their problems. Ils louent ça, ils font les éloges de leurs problèmes. Many people give big names to their problems. Mais ils n'ont pas le langage de la foi. But they don't have the language of très faith. Peu de gens disent ça doit changer. How many people say it has to change? Très peu de gens disent ça va changer. Little people say it has très to peu change. De gens disent ça c'est pas ma vie. Little people say this is très not my peu life. De gens disent ça doit s'arrêter. Little people say it has très to peu de stop. Gens disent je refuse que ça continue. Little people say I deny. Très peu de gens disent je proclame que ça s'arrête. Little people say I proclaim it to stop. Je me sens pas intéressé. La Bible dit que le Dieu que nous servons. The Bible says the God we serve. Salue-moi le Saint-Esprit avec sincérité. Greet the Holy Ghost with sincerity. C'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. It's the God that calls into existence what does not exist. En d'autres termes. In other terms. Ce Dieu-là n'est pas intéressé à s'arrêter sur ce qui existe. That God is not interested on what exists already. Imaginons qu'il entre dans la salle. Imagine he enters into this hall. Et il regarde dans la salle. And he looks in this hall. Il ne va pas se laisser émouvoir par la taille des baffes. He's not going to be astonished by the height of the loudspeaker. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. He calls into existence what does not il exist. Va pas se laisser influencer par les micros. He will not be astonished by the microphones. Mais il va commencer à chercher dans la salle ce qui n'y a pas. But he's going to begin to look in the hall what et c'est ce qui n'y a pas là que lui va convoquer. And it's what is lacking that he will call. Si tu es un enfant de ce tel Dieu là. If you are a child of God of qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ta vie? What is going wrong in your c'est life? Ça que tu dois appeler à l'existence. That is what you have to call into est-ce que tu sais que ton voisin est un hypocrite? Il n'est même pas en train de croire. Mais je salue ta foi. But I greet your faith.
Le Dieu que nous servons appelle à l'existence ce qui n'existe pas. What does not exist. Il s'en fout de ce qui est déjà là. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, chaque jour, jour après jour, lorsque Dieu ouvrait la bouche à l'heure de la création, c'était pour appeler ce qu'il n'y avait pas. La Bible dit qu'il s'est levé, il y avait les ténèbres. Donc il manquait la lumière. Il ne s'est pas apitoyé sur les ténèbres. Mais il a dit que la lumière soit. Le problème des enfants de Dieu, qui traduit leur manque de foi, ils ne sont là que pour appeler ou pour confesser ce qui ne marche pas. Très peu d'enfants de Dieu confessent ce qui doit venir. Very little children of God confess what has to come. Les femmes pleurent plus leur stérilité. Women are crying more on their badness. Qu'elles réclament un enfant. Than reclaiming a Combien child. Combien de femmes se lèvent et elles sont enragées. How many women stand on their Pour dire il manque un enfant dans ma maison. And saying I need a child il manque in my house. Enfant dans ma maison. A child is lacking in Combien my house. De femmes sont enragées. Many Mais Anne a été enragée. Anne s'est tenue debout. Elle dit, il manque enfant dans She ma maison. Elle dit, il manque enfant dans ma maison. Il manque enfant dans ma maison. Il manque enfant dans ma maison. Tant que tu vas caresser tes manques, When you will caress your life, tu ne seras pas en train de manifester la you foi. Will not manifest faith. Tant que tu vas pleurer sur ce When qui te manque. To cry on your life. Oh, j'aime pas ton attitude. Tant oh, que tu vas rester à pleurer sur ce qui te manque. Tu vas pleurer sur ce que tu n'as pas. Tu vas pleurer sur ce que tu n'es pas. Tu ne seras pas en train de manifester la foi. Manifester la foi. La Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu manifestes la foi, tu te mets dans une disposition de certitude, de conviction, inébranlable, infaillible. Tu es convaincu dans ton âme, tu es convaincu dans ton esprit, tu es convaincu dans ton cœur. Que ce que tu n'as pas, ce que tu espères, Dieu va le faire. Tu es convaincu que le lendemain pourvoira à ce qui manque aujourd'hui. Tu es convaincu que ce que tu cherches demain est le meilleur jour pour que tu l'obtiennes. Mais tu es convaincu, personne ne peut t'arracher ça. Personne ne peut te déstabiliser dessus. Personne ne peut te troubler dessus. La foi. C'est la ferme assurance. Une assurance qui ne bascule pas. Une assurance qui ne bouge pas. Une assurance qui ne trébuche pas. Une assurance qui tient debout. Que ce que tu espères, ce que tu espères, ça va finir par arriver. Et ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. La Bible dit que ça arrive. Ça arrive. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Regarde, je m'en fous de ton voisin. La foi de ton voisin ne m'intéresse pas. Parce que lui ne croit pas. C'est un spectateur. Mais ta foi à toi m'intéresse. Ce que tu crois m'intéresse. Parce que je sens en toi que cette parole est venue pour toi. Tu attends Dieu. Tu veux voir Dieu. Tu espères Dieu. Tu es convaincu qu'il ne t'a pas oublié. Je n'aime pas ceux qui aiment pleurer. Je n'aime pas ceux qui aiment gémir. Je n'aime pas ceux qui aiment se lamenter. C'est l'attitude des gens qui manquent de foi. Lorsque quelqu'un a la foi, quand quelqu'un a la foi, il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Il espère. 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 Et plus il croit, plus il espère, plus il attend, plus Dieu s'intéresse à lui. Dieu ne viendra pas parce que tu pleures. Il ne viendra pas parce que tu gémis. Il ne viendra pas parce que tu te lamentes. Mais il viendra parce que tu espères. Il viendra parce que tu crois. Il viendra parce que tu es convaincu que ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, demain est une opportunité de l'avoir. Ce que tu n'as pas eu le matin, le soir est une opportunité de l'avoir. La foi, faith. La foi, faith. La foi, faith. La foi, faith. C'est la conviction que quelqu'un a. It's the conviction somebody has. Que ça va arriver. It's going to happen.
foi ne tient pas compte des réalités environnementales. Faith does not take into account environmental realities. La foi domine sur les réalités environnementales. Faith does not take into account environmental realities. Il y a plus de claviers que d'autres choses que j'ai besoin. Plus de claviers que d'autres choses. La foi. Faith. Ne donne pas de limites à Dieu. Does not give limits to God. Quand tu vois des chrétiens, des prétendus chrétiens qui vacillent comme ça, ils n'ont pas de foi. When you see Christians that pretend and they shake, quand tu vois des gens qui sont manipulables, ils marchent au rythme de ce qu'on leur raconte, de ce qu'on leur dit. Ils n'ont pas la foi. Quand tu as la foi, c'est une graine, petite graine, qui est tombée dans ton cœur. Quand c'est tombé là, c'est rentré pour toujours. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, la graine est rentrée. Tu attends ça. Tu attends ça. Tu attends ça. Je dis tu attends ça. Joseph a reçu cette graine sous la forme d'un songe. Il était convaincu que sa jambe s'est élevée. Peu importe la haine, peu importe le mépris, il savait ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a dit? Sur ta propre vie, sur ton histoire, sur ton église, sur ton pasteur, sur ton avenir, sur ta nation. Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a dit? Dans les tralala qui se passent, ça ne doit pas t'émouvoir. Les tralala qui se passent, ça ne doit pas te troubler. Tous les amusements qui se passent, ça ne doit pas te troubler. Quand Dieu te parle de ta nation et qu'il te montre ta nation dans une dimension, tu dois croire. You need to believe. Que ça ne se mesure pas aux conditions, aux considérations environnementales. Mais Dieu va faire ce qu'il a dit, il va le faire. Ah, je n'aime pas l'attitude de quelqu'un. Oh, I don't like the attitude of your neighbor. Crois que Dieu existe. Believing that God exists. Est-ce que ton voisin est ici? Is your neighbor here? Dis à quelqu'un, voisin, je vais te donner d'eau. Tell your neighbor, neighbor, I will back you. Voisin, je vais te donner d'eau. Neighbor, I'm going to turn my back on you. Voisin, si je te sens pas, je te donne d'eau. Neighbor, if I don't feel you, I will turn my back on maintenant, you. Maintenant, donne d'eau à quelqu'un. Now, turn your back on somebody. Donne d'eau à quelqu'un. Turn your back on somebody. Écoute-moi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Amen. Croire que Dieu existe. To believe that God exists. C'est croire en l'omniprésence de Dieu. Is to believe in God's omnipresence. Il est partout. He is everywhere. Il est là où les gens étaient injustes avec toi. He is where people were unjust with you. Il est partout. God is everywhere. Pendant qu'il est là. While he is here. Au même moment, il est avec celui qui doit t'aider. At the same time, he is with the person that has to help you. Pendant qu'il est là. While he is here. Au même moment, il est avec celui qui doit signer ton dossier. At the moment, he is with the person that has to sign your document. Pendant qu'il est là. While he is here. Il surveille ta foi comme du lait au feu. He is watching your faith like milk on fire. Au même moment, il est avec celui, amen, dont il doit toucher le cœur qui va t'aider. At the same time, he is with that person that has to touch your heart. Mais Dieu est omniprésent. But God is omnipresent. Je dis Dieu est omniprésent. I say God is omnipresent. Dieu est omniprésent. God is omnipresent. Son omniprésence signifie qu'il est partout à la fois. His omnipresence means he's everywhere. Pendant qu'il est en train de lire ton besoin. While he is reading your need. Sur l'autel de ton cœur. On the altar of your heart. Il est en train en même temps de regarder celui qui peut résoudre ton problème. At the same time, he's looking at the person that can solve your problem. Il est partout à la fois. He is everywhere at the Dieu same n'est pas time. Avec le pauvre pour laisser le riche. God cannot be with the poor to leave il the n'est rich. Pas avec celui qui est dans le besoin pour laisser celui qui peut amener combler le besoin. He is not with those that I need to leave those that pendant can qu'il était avec Mardoché. While somebody was with Mordecai. Dans le même temps, il était avec Assuérus. At the same time, he was with Ahasuerus. Pendant qu'il était avec Haman le méchant. While he was with Haman the wicked témoin man. Témoin de ce qu'Haman faisait. Witness of what Haman was doing. Il était en même temps avec Mardoché pendant que Mardoché priait et jeûnait. At the same time, he was with Mordecai and Mordecai was fasting and je praying. Je veux que tu prennes conscience que ce n'est qu'une question de temps. I want you to take conscience that just a question of time. Avoir la foi et ne pas compter sur le temps, c'est ne pas avoir la foi. To have faith and not to count la foi time, est une question de faith. Temps. Tu es en train de croire aujourd'hui pour quelque chose que tu n'as pas, que Dieu va faire demain ou après-demain. C'est une question de temps. Est-ce que je peux te dire que dans 5 ans tu seras extraordinairement riche? Je peux te dire que dans 5 ans tu seras servante de Dieu? Est-ce que je peux te dire que dans 5 ans tu seras en train de prêcher l'évangile?
Est-ce que je peux te dire que d'ici 5 ans, tu auras ta propre compagnie? Est-ce que je peux te dire que d'ici 5 ans, Dieu va t'établir? Est-ce que je peux te dire que d'ici 5 ans, Dieu va changer ton histoire? Mais pendant ce temps, le même Dieu est avec toi aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu de pendant que tu pleures. Le Dieu de pendant que tu souffres. Mais en même temps, il est le Dieu de quand tu vas rire. Il est le Dieu de quand il va te consoler. Il est le Dieu de quand tu es malade. En même temps, il est le Dieu de quand tu vas guérir. Je suis en train de te parler d'un Dieu omniprésent. Il est partout à la fois. Il n'est pas aveugle pendant que tu pleures. Et ce n'est pas quand tu vas être béni qu'il va recouvrir la vue. Ses yeux sont ouverts, il voit tout. La Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as la foi, tu dois savoir attendre. Attends jusqu'à ce que Dieu fasse. Attends jusqu'à ce que ce soit le temps de Dieu. Attends jusqu'à ce que ce soit le moment de Dieu. Attends jusqu'à ce que ce soit le temps fixé de Dieu. La foi ne dépend pas de toi. The time does not depend on you. La foi ne fixe pas le temps à ton niveau. Faith does not fix time at your level. Tu peux attendre pendant longtemps. You can be there for long. Tu peux attendre peu de temps. You can wait for tu peux ne même pas attendre. Maybe you may not wait. La foi est fonction du plan de Dieu. Faith is the function of God's plan. La foi ne dépend pas de celui qui la manifeste. Faith does not depend on the person that manifests it. Sinon, si ça dépendait de celui qui la manifeste, il y a des choses que Dieu peut faire en un jour. Aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, il allait faire. If not, if the faith depends on you, things God will do things at the same time. La foi prend en compte le temps. Faith takes into account time. Ce temps-là, c'est quoi? What is that time? Ce temps-là est un espace aménagé. That time is a space of relocation. Pour que Dieu réunisse toutes les circonstances favorables à ton miracle. To unite all the favorable circumstances for your miracle. Ce temps-là est un espace aménagé. That faith space pour que Dieu amène ton faiseur de miracles des États-Unis. For God to bring peut-être United que la personne States qui doit changer ta vie est en Australie. Si ta foi doit parler aujourd'hui, il ne pourra pas quitter l'Australie pour venir t'aider. Mais ce temps pendant lequel tu attends là, c'est le temps où toi tu es en train de pleurer. Dans le même temps, Dieu est en train de lui dire rentre en Côte d'Ivoire. Le temps là, toi tu es en train de chercher travail. Dans le même temps là, Dieu est en train de lui dire ouvre ta compagnie. Ouvre ta compagnie. Pendant ce temps, toi tu cherches du travail. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Mais lui, son argent, il l'a gardé aux États-Unis. Ce temps-là, c'est ça, il s'en va prendre pour rapatrier ses fonds en Côte d'Ivoire. C'est le même temps-là, il prend pour recruter son personnel. C'est le même temps, il prend pour faire son projet de société. Lorsque la société est prête, le temps de l'attente est terminé. Maintenant, ton miracle paraît. Celui qui dit qu'il veut vivre dans la foi, il veut vivre par la foi, qui ne croit pas que Dieu est omniprésent et que Dieu travaille avec le temps, laisse tomber la foi. Leave faith to go away. Laisse tomber la foi. Let it go. Let faith go. Laisse tomber la foi. Let faith go. Laisse tomber la foi. Let faith go. On a une génération de chrétiens. We are a generation of Christians. On a une génération de we chrétiens. We have a generation of Christians. Impatients. Impatient. Ils maudissent le temps. Ils maudissent le temps. They curse time. Alors que le temps est un facteur qui joue avec eux. When the time is a factor that plays with them. Mais regarde, moi, si tu me dis de faire un enfant, amen, à 4 mois, je vais pas vouloir. Look, if you tell me to give birth to a child in 4 months, I will not want to give birth. Pourtant, j'ai envie de voir à quoi mon bébé va ressembler. I wish to look at what my baby will look like. Mais j'ai pas besoin d'un bébé qui va naître à 4 mois pour me créer des problèmes. But I don't need a child that will be born at 4 months to create me problems. La bénédiction qui vient avant le temps. The blessing that comes before time. C'est une bénédiction qui est paralysée. It's a blessing that is paralyzed. C'est une bénédiction qui est paralysée. It's a blessing that is paralyzed. Les gens qui se marient avant le temps. People that get married before les time. Gens qui voyagent avant le people temps. That travel before les time. Gens qui font des affaires avant people le temps. That do business before les gens time. Qui commencent le ministère avant people le that temps. Begin ministry before c'est toujours time. Paralysé. It's always paralyzed. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas prêt. There's something in you that is not il y a quelque ready. Chose en toi qui n'est pas mûr. There's something in you that is not ripe. Quand on met le pain au four. When they put bread in the oven. Pendant que le pain au four. While the bread is in the c'est oven. C'est pas parce que tu as faim que tu vas faire sortir avant it's le temps. It's not because you're hungry that you make it to come out before parce time. Parce que si le pain sort avant le temps, tu because pourras pas manger. If bread comes out before time, you cannot je eat dis it. À quelqu'un, tu ne pourras pas manger. I say you cannot eat it. Je suis en train de parler à l'âme de quelqu'un. I am speaking to somebody je dis tu so. Ne pourras pas manger. I say you cannot eat it. Manger avant le temps. To eat before time. Tu vas agacer tes dents. You are going to disturb your teeth. Je dis manger avant le temps. I say to eat before time. Tu vas te faire du mal. You are going to hurt yourself. Laisse le temps à Dieu. Leave time to God. Chaque fois a sa durée de vie. Each time has its long je dis chaque fois a sa durée de vie. Each time has its lifespan. Je dis chaque fois a sa durée de vie. Each faith has its lifespan. Il y a des choses que Dieu va te montrer. There are things God will show par you. La foi, c'est pas aujourd'hui. By faith,
faith is not today, tu vas croire comme tu peux. You will believe like you want. Ça viendra pas. It will not come. Pas parce que Dieu va pas faire. Not because God will not do it. Parce que le temps de faire n'est pas arrivé. But because the time of doing it has not come. Combien de chrétiens n'ont pas abandonné la main de Dieu? Only Christians have not abandoned. Parce qu'ils attendaient quelque chose qui n'est pas venu au moment où ils attendaient. Because they were waiting for something that has not come at the time they wanted. Mais Dieu n'est pas ton camarade. But God is not your friend. Mais si toi tu attends, ça fait quoi? But if you wait, what will happen? Toi-même là, si tu attends, ça fait quoi? You, if you wait, what will happen? Pendant que tu es en train d'attendre. While you are waiting. Tu es en train de préparer quelque chose d'incroyable. God is preparing something incredible. Regarde, tu peux parler à ton mari. Look, you can speak to your husband. Parce qu'il a des problèmes avec les femmes. Because he has problems with women. Tu lui parles pendant un certain temps, il ne change pas. You speak for a certain time, he does not change. Mais imagine si il change parce que tu as parlé. But imagine if he changes because you have spoken. À la prochaine belle femme. The next beautiful woman that passes by, he will leave you. Tu vas parler. You will speak. Si il doit changer parce que tu as parlé. If he has to change because you have spoken. À la prochaine autre jolie femme. At the next other beautiful il woman, va te laisser encore. He will leave you again and go. Je préfère que ça dure un peu. I prefer. Mais qu'il rencontre Dieu. That he encounters God. Le Dieu qui fait changer. The God that makes people à ce moment-là, j'ai attendu longtemps. At that moment, I've waited mais for quand long. Il change, but when he changes, si tu veux, il faut aller chercher une sirène pour mettre devant if lui. Il parce que Dieu a pris le temps pour le bâtir. God has taken time avec le temps, il a traversé des expériences. And with time, he has gone le temps ne joue pas contre toi. Time does not le temps dans la foi you. Est un allié. Time in faith is an ally. Le temps dans la foi est un allié. Time in faith is quelque an chose ally. Que Dieu utilise à ton avantage. Something that God uses to your car advantage. La Bible dit que tout, for the Bible says all, tout, all, tout, all, tout, all, tout, all, tout, all, tout, all, concours, all, concours, everything concours, works, all works things, concours, all things work, au bien, work together, au bien, work together, au bien, work together, de ceux qui aiment Dieu, for the ones that si love tu aimes God, Dieu, if you love God, attends, wait, attends, wait, attends, wait, attends, wait, et pendant que tu attends, and while you are waiting, crois, believe, ça va arriver, it is going to happen. Si tu vois une seule personne qui ne dit pas amen, chasse-le de la salle. If you see somebody that is not saying amen, chase him from the hall. Le temps est de faire des enfants de Dieu des champions dans la foi. The time is to make children of God champions in faith. Pas des suiveurs de pasteurs. Not followers of pastors. Mais des suiveurs de Dieu. But followers of God. Des gens qui croient en Dieu. People that believe in God. Ils croient en Dieu. They believe in God. Quand les gens ne font que croire en leur pasteur. When people only believe in their pastor. Le jour où le pasteur prend une autre voie. The day the pastor takes another road. Ils sont perdus. They are lost. Mais nous voulons faire des champions dans la foi. But we want to make champions in faith. Des gens qui savent que le temps. People that know that time est un facteur qui fonctionne avec la foi. It's a factor that functions with faith. C'est pas tout ce que tu veux aujourd'hui qui va arriver aujourd'hui. It's not everything that you want today that will happen today. Si tu demandes à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. If you ask a woman that has never had a child. Tu veux avoir un enfant quand? Do you want, when do you want to have a child? Elle va te dire si aujourd'hui même ça peut arriver. She will tell you even if it's today. Mais tu as vu un enfant qu'on peut concevoir? Grandit dans ton ventre en même temps on l'a aujourd'hui. Have you ever seen a child that they have conceived grow and then they give birth to the child only today? Toute bénédiction doit avoir un âge. Every blessing needs to have an age. Tu dois pouvoir dire j'ai attendu tel temps pour voir telle chose. You can say that I have waited for this time to see this thing. J'ai attendu tel temps pour avoir telle chose. I have waited for this long to have tu this dois pouvoir thing. Le dire. You need to say that. Troisième chose. Third thing. Celui qui croit que Dieu existe, he that believes that God exists, doit croire que Dieu est omniscient. Needs to believe that God is omniscient. Il sait tout. He knows everything. Même ce que tu n'as pas dit. Even what you have not yet said. Il le sait. He knows it already. Il sait tout. He knows everything. Il connaît le projet dans ton cœur. He knows the projects in your heart. Il sait que tu veux ça. He knows that you want that thing. Et il sait que tu veux ça aujourd'hui. And he knows that you want it today. Mais s'il ne te donne pas, il sait pourquoi. And if he does not give you that thing, he knows why. C'est pas tout qui est bien pour arriver dans ta main aujourd'hui. It's not everything that is good that will arrive in your hand today. Parce que Dieu sait. Because God knows. Que aujourd'hui va détruire cette bénédiction. That today will destroy that blessing. Il y a des choses que tu dois attendre. There are things you have to wait for. Parce que quand ça vient en son temps. Because when it comes while you wait. Tu as eu le temps de rencontrer vraiment Dieu. You have had the time to really encounter God. Beaucoup d'hommes se sont mariés avant le temps. Many men have gotten married before their time. Et ils divorcent aussi rapidement. And they divorce quickly. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être bâtis. Because they have not had the time to be built. Toutes les filles veulent se marier. All the women want to get married. Est-ce que toutes les filles peuvent supporter ce qui est dans le mariage? But can all the women support what is in marriage? Des fois on t'a dit d'attendre.
Sometimes they tell you to wait. Mais tu as trouvé que non. Toi, tu as senti dans ton cœur que c'est le temps. But you said that, no, I felt in my heart that is the time. Il y avait un alcoolisme caché qui n'avait pas encore laissé. There was an alcoholic nature hidden that he has not yet left it. Le temps d'attendre est souvent un temps que Dieu utilise pour accorder la délivrance à quelqu'un. The time of waiting is the time that God accords deliverance to somebody. En vue qu'il soit une vraie bénédiction pour toi. So that he should be a real blessing in your life. Il y a des femmes que leur propre mari ne connaît pas. There are women that their own husband does not know. Il vit avec elle, mais elle ne le connaît pas. He lives with her, but they don't know. Il y a des femmes her. Qui sont de vraies manipulatrices. There are some women that are real manipulators. Il y a l'image qu'elles donnent. There's the image she mais gives, c'est qu'elle est. But there's what she is really. Mais quand tu te maries avant le temps, and when you get married before your time, tu n'as pas le temps de découvrir qui elle était. You don't have the time to discover who she was. Et c'est dans le mariage que tu découvres qui elle était. And it's in your marriage that you discover who she was. Des fois, tu n'as pas le choix, tu cherches seulement à fuir. Sometimes you don't have any choice, but you want to run away. Mais il y a des hommes qui sont de vrais démons. But there are some men that are real demons. Et lorsque tu n'as pas pris le temps d'attendre, and when you have not taken the time to wait, tu as voulu te marier parce que tu as regardé son âge pour toi. You wanted to get married because you have looked at his age and your own on age. On se marie pas par âge. We don't get married by age. On se marie pas par âge. We don't get married by age. Il y a des hommes qui n'ont pas encore fini de changer. Il a 42 ans. There are men that are not finished changing. Mais he's, il a le comportement de quelqu'un de 18 ans. He's 42 years old, but he's behaving like a child of 18. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de mûrir. And you have not left him the time to ripen. Il n'a pas fini de grandir. He has not finished growing. Tout ceci, il gagne l'argent, il mange ça dans ses narines, il mange dans now, ses yeux, money, il mange ça dans ses oreilles. Now, if he wins money, he will eat it in his nostrils, eat it in his ears, he will squander the money. Avec quelqu'un comme ça, c'est quelle famille tu vas fonder? With somebody like that, what kind of family will you build? C'est quelle famille? What family will you build? Il y a des gens qui n'ont pas fini de mûrir. There are people that have not finished to get mature. Se marier avant, avec eux avant le temps, c'est te crucifier même. To get married with them before your time is to crucify yourself. Il y a des pasteurs qui n'ont pas fini de mûrir. There are pastors that have not finished to be mature. Tout ce qui les intéresse, c'est se faire voir. Everything that interests them is to be seen. Se faire remarquer. To be remarked. Se faire, amen, se faire du bruit. To make noise. Mais il n'a pas fini de mûrir. But he has not yet gotten mature. Il n'a pas fini de grandir dans l'expérience avec Dieu. He has not yet grown in experience with God. Tu suis quelqu'un comme ça? You follow somebody like that? Très vite. Very quickly. Tu vas trouver des déceptions dans la foi. You're going to find disappointments in faith. Dieu sait tout. God knows everything. Il y a des choses que tu veux, Dieu ne te donne pas maintenant. Tu n'es pas prêt pour ça. There are things that you want, God will not give you now because you're not ready for it. Tu n'es pas prêt. You are not ready. Des fois, c'est à cause de ton conjoint que Dieu ne te donne pas certaines choses. Sometimes it's because of your spouse that God does not give you some things. Dieu connaît le cœur de ton mari. God knows the heart of your husband. C'est un intéressé qui est là. It is an interested man that is there. Si Dieu te fait, mais connais-tu une promotion tout de suite à lui là? If God makes you to know a promotion now, he, that man. Mais il y a des hommes qui volent leur femme. There are men that steal from their wives. Il y en a qui met ça sur crédit jusqu'à. And there are some that put it on credit until they will never give back her money. Il y a des femmes aussi. And there are some women too. Dieu sait. God knows. Si toi tu deviens millionnaire tout de suite la femme là. If you become a millionaire now, that woman. Elle va te rendre fou. She will make you loco. Combien d'enfants des gens, les femmes là n'ont pas, même mis à genoux. How many children, people's children have not have those women not put kneeling? Elle veut bague que sa propre mère n'a jamais imaginé même qu'on est, on a créé. She wants a ring that her own mother has never imagined that they can create it. On dirait c'est toi qui a fait qu'elle vient d'une famille pauvre. It's like you're the one that it's your fault that she's coming from a poor family. Elle ne veut pas vivre dans une certaine mesure. Elle veut un luxe de vengeance. She does not want to live in a certain measure. She wants a luxury of revenge. Elle va appuyer son mari. N'a qu'à payer fauteuil en dos de. To press her husband to buy an extraordinary kind of chair. Et Dieu sait. And God knows. Que tu es faible devant cette femme. That you are weak before that et si woman. L'argent là vient là, tu as fait. And if that money comes, you will do it. Alors que c'est pas tout ce qu'elle veut qui est utile. When it's not everything that she wants that is useful. Il y a des femmes qui ont appauvri des hommes. There are women that are there to make women to be poor. Regarde, il faut regarder la femme avec qui tu es. Il faut dire qu'on peut mûrir ensemble. Hein? Look at the woman with which you are and say we have to be mature together. Hein? Elle veut simplement par vengeance sur ses copines. Elle veut placement.
by revenge on her friends. She wants a TV plasma. Plasma. A TV plasma. Toi, ton papa a déjà eu ça. Has your father ever had that kind? Tu sais, il y a des choses qu'on a quand c'est le moment. You know, there are things that we have when it is the time. Quand ça vient dans ta vie, ça, amen, c'est une évidence. When it comes into your life, it is an evidence. Il y a des choses, c'est pas le temps pour toi d'avoir ça. There are things, it's not the time for you to have it. Elle est prête à torturer son mari la nuit. She le torturer. Ready to torture her husband in the night. Je vais aller. I want to go to the United States. I want to go. Son argent est 2 millions. And his money is 2 million. I want donc to il va prendre 2 millions pour te faire voyager. So he will take 2 million il va aller prendre 3 millions pour te donner crédit d'argent de poche. Mais vous avez quoi et vous voulez vivre cette vie-là? Vous but avez what quoi? Do you have and you want to live that kind of life? Je suis en train de dire que Dieu sait. I am saying that God knows. Il sait ce que ton mari ne sait pas. Il sait ce que ton papa ne sait pas. Il sait ce que ta maman ne sait pas. Il te connaît mieux que toi-même qui es assis là. S'il ne t'a pas encore donné, il sait pourquoi. France, États-Unis, Allemagne, si tu n'es pas encore parti, il a dit Dieu, c'est pourquoi. God knows why. Des fois, tu dois à l'église. Sometimes you sleep in church. On dit non, Seigneur. Accorde-lui sa grâce. No, elle est brisée. Lord, accord her grace, she is broken. Dès qu'on te donne, amen, un visa. When they give you a little visa. Tu es dans la vie, amen, dans l'avion même déjà tu rétrogrades. You are in the plane, you backslide in the plane. Il faut la regarder avec le voisin de l'avion. Look at her with the neighbor of the plane. Tu n'es pas encore arrivé en France, tu cherches papier dans l'avion. You have not yet arrived France, you are looking for papers in the plane already. Elle veut quoi? Elle veut nationalité dans l'avion. She wants already a nationality in the plane. Parce qu'on a mis, le monde a mis dans sa tête, le Dieu qui est en train de te faire voyager, lui ne peut pas te donner nationalité là-bas. Because le monde a mis dans ta tête qu'en tout cas, quand tu arrives en France, c'est papier qui est ton premier. Donc dans l'avion, là déjà, elle cherche quel plan. The word that has been is paper, so in her head, she's looking for a white already. Dieu sait. God knows. Il sait. He knows. Il te connaît. He knows you. Tu dois croire que Dieu existe. You have to believe that God exists. S'il me donne le visa, if he gives me a visa, il n'y a pas besoin de batailler encore. I don't need to struggle again. Regarde quelqu'un en face de toi, dit il pourvoit. Look at somebody face to face and say he will provide. Il pourvoit. He will provide. Il faut être fou pour croire que Dieu t'emmène à un niveau et il n'est pas prêt à te donner les bénédictions de ce niveau. You need to be mad to believe that God will take you to a level and he will not give you the blessings of that level. Dis à quelqu'un, il pourvoira. Tell somebody he will provide. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont vendu la foi. Today, children of God have sold their faith. Ils ont vendu leur foi. They have sold their faith. Avec les rêves. With dreams. Ils sont pressés. They are in a haste. Ils veulent des bénédictions spontanées. They want spontaneous blessings. Ils veulent des bénédictions immédiates. They want immediate blessings. Des bénédictions imminentes. They want imminent blessings. Ils sont pas prêts à attendre. They are not ready to wait. Le temps où les chrétiens priaient toute la nuit pour attendre la main de Dieu, pour voir Dieu agir, ce temps-là, les chrétiens de notre temps aujourd'hui, ils ont vendu cette partie de la vie chrétienne. The time where Christians were praying to see God's hand, this period, Christians have sold that part of their lives. Sont pressés. They are in a haste. Je vois tellement de gens qui courent pour aller au Maroc. I see many people running to go to Morocco. Je suis allé voir mes enfants au Maroc. I went to see my children in Morocco. Quand j'ai vu dans quelles conditions les Ivoiriens vivent là. When I saw in what condition Ivorians live in. Mon cœur s'est coupé. My heart was broken. C'est ça là. Is it this one? On dit non, il y a pas visa. Ça dit. They say no, there's no visa. Tellement on veut partir. They say we want on to veut partir. Go. On dirait que tu as des moignons dans les fesses. We want to go. It looks like you have soldier ants in your butt buttocks. C'est le seul pays où il n'y a pas visa, tu peux aller te chercher. Tu connais la vie qui est là-bas. Where there's no visa. Do you know the life that is there? Regarde les conditions. Look at the conditions even. Un pays où tu n'as pas le droit de faire sortir l'argent. A country where you have no right to send money out. L'argent peut rentrer. Money can enter. Mais l'argent peut pas sortir. But money cannot go out. Regarde pays comme ça. Look at the country like that. Va voir comment plein de gens envoient leurs enfants soi-disant pour aller étudier. Les enfants deviennent lesbiennes. Look at PDPD, là-bas. Many people send their children to go and study there and their children become lesbians and gays. Parce que les gens qui ont leurs moyens
envoient leurs enfants en France. Comme tu ne peux pas en France, il faut que tu parles aussi pour dire que tu as envoyé ton enfant étudier à l'étranger. Ça, c'est étranger. Because people that have their money have sent their children to France. Étudier dans les ténèbres. And you want to tell people you have sent them abroad. Is that parce que la porte des ténèbres qui est ouverte là-bas, c'est trop. The doors of darkness that is open. Il n'y a pas d'opportunité de travail. There's no opportunity of job. Quelle opportunité il y a là-bas? What opportunity is there? Il y a quelle opportunité? What opportunity is there? D'autres vont avec l'espoir de pouvoir aller en France. Others go with the hope of going to France. Ils arrivent là quand ils sèchent, juste quand ils préfèrent revenir pour se rafraîchir. They arrive there when they get dry, they prefer to come back to refresh themselves. Attends. Wait. Jusqu'à ce que Dieu fasse. So God does. De ton ennemi toi-même ton marchepied. Ne cours pas. Let your enemy be your footstool. Pour aller vers ce que Dieu peut emmener vers toi. Don't go towards what God can bring towards you. Ça va te dégoûter. It can disgust you. C'est comme ça des sœurs sont tellement pressées de vivre le mariage. Elles sont venues vivre en concubinage avec des gens, c'est ton mari. That is how sisters are very in a haste to go and live in marriage and they go into and be concubines. Is it your husband? La personne avec qui tu es en train de vivre. The person you are living with. Regarde la vie que vous menez. Look at the life you are leading. Un mari, un homme, quand il est prêt pour être mari d'une femme, il y a des choses en lui que tu prends pour regarder que lui là, il est en maturité mariale. A man, when he wants to marry a woman, there are things in him that shows that he's in a marriageable maturity. Il a des attitudes de chef de famille. He has attitudes of a head of a family. Un chef de famille pourvoit, il pourvoit à la nourriture à sa maison. A head of a family provides food to his house. Quelqu'un te prend. But somebody will take te you. Dans sa maison. He will put you in his house. Il n'a même pas de traces de chef de famille. He does not even have traces of a head of a family. Il mange au dehors. He eats outside. Il vient à la maison. And he comes to the il house. Il s'en fout de ton avenir. He gives a heck about your future. Il s'en fout de ce que tu he portes. He gives a heck about what you il wear. Il s'en fout de comment tu he vis. He gives a heck about what how il est you live. Incapable de prendre soin he's de toi. He's unable to take care of you. Quand tu es mariable. But you are mariable. On ne marie pas un garçon à cause de la taille des choses. You don't get married to a man because of the height of his intimacy. On marie à cause de la taille de son cœur. We get married to a man because of the height of his heart. Te prendre dans la maison, c'est comme un esclavage je suis en train de vivre. He takes you into his house, it's like you're living slavery. Incapable de jouer le rôle d'un chef de famille. Unable to play the role of a family head. Un chef de famille il a des attributs. A family head has attributes. On n'a pas dit de donner beaucoup, mais un peu. We do not say we should give too much, but at least a little. On n'a pas dit tous les jours manger poulet, mais chaque jour au moins il doit avoir au moins du pain sur la table. They do not say that every day we should eat chicken, but at least each day let them be bread. Mais tu es tellement pressé de te marier, même. Amen. Un insouciant, un inconscient passe, mais tu rentres dans sa main, dis je vis à être. Somebody is in a haste to get married. You enter into a scallywag and nick on Jolie, house, and you say, "I live with him." That on Jolie. Is it your Jolie? Gardien de prison. Is it okay? Is it your jailer? That on Jolie. Is your jailer? Aïe. Tu me prends même dans maison. Matin, je suis dans ta maison. Toi, tu es garçon. Tu dois réfléchir. Qu'est-ce qu'on mange? You take me and put in your house. You are the man, but I have to think that what are we going to eat oh, today? Oh, beaucoup de sœurs chrétiennes, elles sont dans ces conditions. Pierre vient. Quand on parle, elles ont des larmes qui coulent de gauche. Tu sais, quand quelqu'un a tort, il pleure jamais tout droit. Ses larmes toujours comme ça. But somebody is wrong. The tears do not come like this. The tears always go like that. Quand il a tort. When he is wrong. Ses larmes coulent pas tout droit. His tears do not come down like this. They come like this.